Ah là là, voler et avoir direct tout le monde à mon côté, à mes côtés, c'est sûr que ça arrangerait pas mal de choses et je serais pas obligé de me taper 40 minutes de tribunal pour prouver qu'un clampin n'a pas tué quelqu'un. Sur ce, bonjour à tous, je suis Raïlus et aujourd'hui nous sommes ensemble pour Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All, le premier procès de l'épisode 3 de cette troisième affaire. Et j'espère que le jury, ainsi que les jurés, ainsi que le public, va comprendre qu'une putain de marionnette qui parle, ça n'est pas recevable. Nous sommes dans un jeu sérieux, nom de Dieu. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Ok. Oui, c'est un stéréotype de merde. Je continue à le dire. C'est un nom de scène, nom de Dieu, ça. Ah, oui, c'est pas complexe. À quand le coup de fouet? Oh là là, Francisca n'a pas utilisé son fouet. Incroyable. Rien que pour ça, vous mettez un pouce vert. J'ai déjà gagné un procès. Je peux refaire ce prodige, selon toi? Mais bien sûr, j'avais des preuves solides et concrètes. Ouais, ok. Si tu ne reconnais pas la légitimité de la précédente affaire, tu vas cependant reconnaître la légitimité de cette affaire que tu vas perdre. Ah oui? Ah, c'est dégueulasse ça. Vas-y, je regarde. Vas-y, montre-moi. Comment ça, ma culpabilité à moi? Eh oui. Ah bon? Oh, zut alors. Je m'en fous. Et ce qui méritait après tout. C'est tellement méchant. Je crois que tu savais déjà ce qui s'était passé, Karma. J'écoute ton témoignage. Impressionne-moi. Très bien. Oh putain. Ok, alors attendez. Chapiteau, la pièce centrale, loge de loyal, cafétéria. Circulaire, chapiteau, ok. Non, attends, il y a une zone qui n'est. Oui, donc d'accord. Ok, c'est bon, je comprends. Ouais. Donc il est sans doute mort sur le coup. Ah, oh merci, c'est ce que je voulais. Pour l'instant, je ne vois pas grand-chose d'anormal. Comme une batte. Toujours son grain de beauté, c'est dégueulasse. Je ne peux, je vais juste attaquer. La neige, voyons. Quelque chose m'échappe, j'en suis sûr. J'ai un choix? Non? Très bien. Ok. Coup violent scellé derrière la tête, ça ne m'étonne pas. Elle est où ma photo? Ok, je vois rien de bizarre. Pouvez-vous tous les énumérer? Oui, ça se comprend.
Ok. Ah, je comprends mieux. À qui appartient cette montre de pacotille que j'ai retrouvée? Aux 22h. Ça se tient. Ça se tient aussi. Ça se tient aussi. Moi, je sais. Bon, bah, ils le savent. Bon, c'est pas grave. À 22h15. Pourquoi j'ai fait présenter? Bref, ça va plus vite. Oui, donc ça, c'est bon. Oh, es-tu sûr et certain? As-tu vu? Ou peux-tu lire les détails? Impeccable. Elle cache quelque chose. Un coffre en bois. Et qu'y a-t-il dans ce coffre en bois? Je veux tout. Je veux les résultats, moi. Magnifique coffre en bois, d'ailleurs, qui ne ressemble pas sur une photo en noir et blanc. Il portait le coffre. Verrouillé. Ah, merci de l'ajouter au dossier de l'affaire. Non, je suis désolé, sur la photo, c'est pas un coffre en bois. Ça risque d'être ma seule chance, surtout en profiter pour poser des questions. À propos... du coffre en bois. Plaquer le fer. Je sens le coup de fouet. Je le savais. Je vais quand même revenir. J'ai dit que je vais revenir. Et toi? Hop. Je passe tout le dialogue. Vu que vous l'avez déjà eu. Je vais juste reposer des questions sur le verrou cette fois-ci. Eh bien, coup de fouet peut-être? Non. Ça sent le coup de fouet. Je sais pas pourquoi. Très bien. Et maintenant, on va parler du contenu. Je profite donc, je peux en parler. Tu sais, je trouvais une information utile. Ah ah, j'ai enfin ce que je voulais. De condiments. Du poivre. Du poivre. C'est étrange et mystique à la fois. Non mais le rapport tu me l'avais donné en fait. Moi je dis l'arme du crime c'est une stalactite. Oh lolo c'était drôle. Bon, tant pis. Eh ben... Eh ouais, c'est un peu bête vu comme ça. Super. Qui va-t-on appeler? Vas-y. À la barre. Moi, je te parie que tu vas te casser dans 2 secondes. Voilà, c'est ça. Oh, je suis sûr qu'elle le savait.
Michel Hortel. Michel. Ah, Mike. Oh non. Oh non, 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 non. Je veux pas y fort, s'il te plaît. Merde. Oh, punaise. Ouh, ça tourne. Méchant. Oh là là, c'est méchant, une statue, une marionnette. Ouh. Vous voyez, même une personne logique qui m'en veut à mort accepte ça, qu'une marionnette parle. C'est décevant. Tu as vu Max Oh, c'est méchant ça. Monsieur Magique. Lol. Ah, merde. Oui, et pourquoi donc? C'est pas une preuve irréfutable, la haute forme. Moi, je dis la plume. Mais non, pas de félicitations de rien du tout. Ouais, fais ton petit salut, vas-y, fais ton pan, vas-y, sois... voilà, c'est bien. Bon, plus qu'un contre-interroger. Là. Non, mais méthode irréprochable, mes fesses. Et ben. Et ensuite, que s'est-il passé? Tu l'as largué, mais où exactement? Oh, qu'as-tu fait? Il est en bois. C'est une marionnette. Ne faisait que réfléchir. Ouais, je te crois. Vous en êtes sûr? Ces trois accessoires de crâneur. Mais je pose des questions que j'ai envie. Ouais, je te crois. Ça semble debout pour l'instant. Mais c'est pas aussi simple. Est-ce que j'insiste? Si je demande à Mike. Je vais en venir que... Voilà, voilà, attention. Attention. Merde, j'ai que 8 personnages. Qui d'autre voulez-vous que c'était moi aurait pu voir?
Prise de risque. D'accord. Bon, c'est pas ça. J'ai déjà fait cette phrase. Ah merde, je suis déjà passé cette phrase. Ouais. Il s'est passé quelque chose. Je t'emmerde. Oui. Mais voyons, c'était extrêmement simple. Lui ou lui. Pif. Pas ça. Alors je dirais à Monsieur Loyal. C'est Monsieur Loyal. Oh non, vous faites exprès. Allez, là, là, là. On va avoir droit aux objections. Bon, alors si c'était pas Max, c'est forcément et obligatoirement Monsieur Loyal, enfin le véhiculaire. Non, non plus. Changement de plan. J'ai un doute. Rien ne prouve que c'était Max. Et laissez-moi tranquille. Bon. Réfléchissons. Il va falloir que je réflexionne. C'est parti pour chercher. Bon, j'ai une petite idée, je reconsidérerai toute l'histoire. Et je suis trop con d'ailleurs. J'ai interverti deux phrases en fait. C'est un peu con de ma part. En fait, il aurait dû voir et Max et l'auriculaire vu qu'il est mort. Oui, ça a mis du temps, je reconnais. Mais voilà, si on y réfléchit un petit peu, il aurait dû voir Loïc. Loyal. Pas Huller. Putain, je confonds les deux maintenant. Mais je t'emmerde.
Si tu veux. Non, tais-toi. Bon. Ça m'aide pas. Oh non, mais ça me revient au début à chaque fois. Voilà. Regardez quelle est la dernière phrase. 22h30. Il attendait quelqu'un. Réfléchissons. Une seconde. La bague. Ah. Gagné. C'est Monique. Oh, à vous. Oh, superbe animation de la marionnette. La marionnette qui fait un finish him là. Ah si, j'ai complètement le droit. Ouais. Comment ça? Mais fuck you, mon de Dieu. Très bien. Ah, oh, deuxième animation, très très belle d'ailleurs. Que objection, Kepwick. Ah alors, qui n'est pas remarqué une autre personne autre que Max. Tes coups de fouet n'y changeront rien. Tiens, il vient de l'avouer. Non mais on s'en fout. La vérité rien que la vérité. Ah, vous voyez, vous aussi, ça vous semble bizarre de la part d'une marionnette. Ça vous semble con, je suis sûr, si. Bah, ouais. En fait, Voilà. Ah, zut alors. Eh ben ouais. Putain, une marionnette à un humain, mais qu'est-ce qu'on ferait pas? Ah. Je pense... Factulaire. Je crois même savoir qui l'a pris et qui l'a. C'est con. T'étais à ça de réussir à ça. Mais tu viens de te niquer. C'est bête. C'est tellement bête. Je sais exactement ce que... Où je vais te poser des questions. À lui offrir. Mais qui t'est-ce? Ouais, oh, qu'est-ce que c'était? Une bague de fiançailles. Voyez, vous aussi, vous trouvez que c'est bizarre. Mozart, moi. J'insiste. Je suis Sado. J'aime ça. Oh zut. Oh c'était drôle. Oui, revois ton témoignage. S'il te plaît. Madame la juge, c'est une insulte. Oui, et qu'est-elle devenue cette bague de fiançailles?
Ouais, genre ce bout de verre taillé en forme de diamant. Voilà. Peux-tu me la montrer? Tu es dans ta poche, oui. Ah, c'est drôle. Peux-tu me la montrer? Ou bien je vais devoir la sortir? Je pense que j'ai venu de mettre à nu le témoignage. Un instant, monsieur le juge. Quelque chose ne va pas. Yvan, j'ai quelque chose à te montrer. Ah ouais, putain. Est-ce que tu reconnais cette bague? Faux! Je l'ai trouvée, c'est pas la même chose. Oui, comme quoi... Tu l'as toujours. Comment expliques-tu cela? Oh, très belle animation. Moi, je lis un pouce vert juste pour cette animation géniale. Et commentez cette animation. Oh, révolte. The money. The... Non, oui. Oui. En fait, votre honneur, money est un singe. Dans tous les sens du terme. C'est un animal, en fait. Aime les objets très brillants. Brillants. Comme des muscles qui se reflètent dans le soleil. Sauf que là c'est trop gros. Allez, vas-y, dis-le moi. L'heure. À l'heure. Oui. À l'heure. Ah, il l'avoue. Ce qui veut dire que... Tu as vu passer l'accusé, et ensuite, la bague a été volée. Une seconde. Simone était là, et qu'il a crié exactement comme ça. Le coupable aurait dû l'entendre, et il aurait dû s'enfuir. Cela pose un énorme problème. Ah, avec un nom pareil, ça m'étonnerait. Son témoignage est incorrect, et ouais. Parce que Mac, tu dois faire plus de sport, non. Ça aurait été drôle de le dire, mais bon. Qu'il n'avait pas quitté l'entrée de la cour jusqu'à l'arrivée de la police. Pourtant, le témoin a avoué être parti aux trousses de Money. Pendant qu'il donnait la chasse au singe, voilà, personne ne surveillait la cour. Oh, pauvre petite. Fumeuse, ouais, toi, tes théories, c'est des blocs de briques qui sont en fait de la brique pré-mâchée. Mais c'est simple, le témoin n'a pas pu voir sans interruption ce qu'il se passait dans la cour. Voilà où nous mène ma petite théorie, et j'en viens à la suivante. Une personne, autre qui est accusée, aurait parfaitement pu être sur le lieu du crime comme... accro, frisé, Monique, pourquoi pas Monique?
Ouais, d'ailleurs, hein? Oh, tu es extrêmement laid. Bataille sur fond bleu qui défile! Bah, j'ose. Ouais. C'est ça, je te crois. Je te crois, regarde, je te fais un signe. Avec mon œil. Je cligne de l'œil, je te fous de ma gueule. Ah, il est con. Je sais, ta soeur me l'a dit. Allez. Max sur les lieux. Ah bon. Ah ah. Ouais, c'est ça. Tu lui dis bonsoir. Mon cul. C'est ça, tu l'aimes pas d'ailleurs. Comment tu peux dire bonsoir? D'accord. Merci, monsieur le juge. Allons détruire ce bric-à-brac. Ah, tu l'avoues. Quatre œils. Pour un si petit secteur d'observation, c'est beaucoup. Exactement, c'est comme surveiller du papier A4 avec des jumelles. Ouais, je te crois. Mais qui est apparu? Trouve-le avec moi. C'est le singe, bravo. Oh mon dieu, ça paraît tellement dur. Ouais, je m'en serais douté. Oh là là. Ouais, tu lui dis bonsoir, ça j'en doute. Mais tellement. Ouais, mais tu l'aimes pas. Bah, c'est ça le truc en fait. Je pensais pas à ça. Ouais. Je suis sûr que ça tient pas à nous. Le salut divin. Je bluffe là en fait, je teste des trucs. Ah ah, je le savais. Ah mais j'ai la preuve. Oh, je suis trop bête. Je te crois pas, nom de Dieu, je dois te le dire combien de fois. Peux-tu me les réciter? Foutez-vous de ma gueule. Profitez-en. C'est parce que c'est drôle. J'ai trouvé ce qui va pas.
Ah merde, c'est pas le bon bouton. Hop là. Ok, donc moi j'ai trouvé ce qui va pas, de pourquoi tu lui as dit bonjour, enfin bonsoir. Mais pourquoi tu le devrais pas? On a rejoué par Mike. Bluff ou pas bluff? Et arrête. Souffrance, douce souffrance. Mes doigts dans la prise. Pardon. Je suis sûr que c'est... Je suis sûr que j'ai bien fait de répondre bonsoir. Salut Divan, je suis sûr que c'est avec ça la musique s'arrête là. D'accord, ok. Ok, alors je piffe. Je procède au bluff. Avec ces bouteilles. Je suis trop fort. Applaudissez-moi. Une bagarre, parce qu'il y avait parce qu'il y avait une Monique. Oui, tout à fait. Parce qu'il y avait une bagarre. Pour Monique. Voilà. Oui. Le fait est que tu trouves normal que pour une discussion qui s'est un peu emportée, il y a une bouteille de cassé. Je redis, cette animation est magnifique. Ah, mettez un pouce vert, commentez cette animation. Je veux cette animation en gif. Exactement. Bah, on le fait là actuellement. Et bien battu. Alors, qu'est-ce que cela veut-il dire? Si obscène, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Non, je n'insinue pas, j'en suis persuadé. Oui. Oui, tu as juste mis quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je vais le démêler, d'accord. Qui était moi? Alors, il a vu. Alors attention. Réfléchissement intense. Vous me laissez réfléchir. Laissez-moi réfléchir un instant, monsieur le juge, s'il vous plaît. Qui peut-il avoir vu? Il a vu quelqu'un d'autre, évidemment. Je viens de comprendre, c'est bon. J'ai tout compris. Tout s'est démêlé dans ma tête. Mais qu'est-ce que c'est? Mais non. Évidemment. Évidemment. C'était bête. C'est tellement bête. La personne vue par le témoin n'est que cette personne que je vais citer maintenant. Il a osé lui dire bonsoir. Yvan a vu Loïc Huller. Prends ça. Mais de quoi tu parles? Bah oui, ça me paraît logique. Exactement. Logique, n'est-ce pas? Avouez-le. Vous avez vu la victime? Vous l'avez saluée, n'est-ce pas? Yvan. Trilogue, putain, j'aime pas ce nom. Putain,
Oh putain, cette image est tellement belle. Ça me donne un sentiment de fierté, de réussite. Ah là là, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, alors pourquoi tu l'as pas dit avant? Hein? Je viens encore de voir éclaircir ce mystère. Oui, une seule personne. La question c'est de terminer exactement qui était cette personne. Maximilien Galactica? Loïc Huller? Ou bien Monique? Non. C'est con, Monique, il joue avec son tigre. Peut-être Jeff? Oui, trois symboles. Allez, tout le monde! Merci! Ou de forme cap, n'importe qui peut porter ça, même à moi ça m'irait. Et ouais, justement de tact. Mais est-ce qu'il a vu le visage? Exactement. Ah ah, je contredis quelque chose, je tiens quelque chose. Ah, vas-y, allez. Et non. Quel dommage. Oh, zut alors. Oh. Elle a encore un tour dans sa manche. Oui, ses manches sont extrêmement larges. Ah bon? Ouais, c'est vrai. Mais... Ah, c'est vrai, il y a un autre témoin. J'avais oublié. Oui, je te crois. C'est la pause. C'est la pause pour tout le monde, et moi aussi. Ah, t'as fait du bien, un petit coup de procès. J'aime ça. Bien, et donc c'est là-dessus qu'on va terminer cette première partie de procès, du premier procès de l'épisode 3. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, tout le blabla habituel. Quant à moi, je vous dis bon jeu et à la prochaine.